Salut à tous, c'est Janvier. Ce soir, c'est la reprise du championnat de Ligue 1. Pour pouvoir regarder tous les matchs cette année à la télé, j'ai resouscrit la semaine dernière à beIN Sport. Problème, je suis en vacances dans le sud de la France et je ne peux donc regarder les matchs de beIN Sport que sur mon mobile. Sauf si j'ai la clé TV d'Orange. Ça tombe bien, un collègue qui travaille avec moi chez Orange, Mehdi, m'en a offert une juste avant de partir en vacances. C'est quoi la clé TV d'Orange? C'est une clé HDMI comme la Chromecast de Google. Vous voyez, vous la branchez à la TV et vous pouvez ensuite partager avec cette clé HDMI, grâce au Wi-Fi, tout ce qui se trouve sur votre téléphone mobile. La particularité de la clé TV d'Orange, c'est que vous allez pouvoir partager toutes vos offres TV Orange, donc que ce soit beIN Sport, Orange Cinéma Série, la vote d'Orange et également la TV d'Orange. Alors pour en profiter, il faut donc acheter cette petite clé HDMI, la clé TV d'Orange qui est disponible à 40€. Et il faut également avoir une offre d'accès TV Orange ou Sosh. Alors comment ça se passe concrètement? Donc on branche la clé TV d'Orange sur sa TV en HDMI. Vous la reliez avec un câble USB donc directement sur votre télé ou sur une prise secteur, donc tout ça est fourni avec la clé TV d'Orange. Ensuite, vous allez lancer sur votre smartphone, donc iPhone ou Android, l'application La Clé TV. Et sur l'application La Clé TV, voilà, qu'on voit ici, vous allez pouvoir piloter vos différentes offres TV. Donc on va pouvoir regarder par exemple beIN Sport, regarder la vote d'Orange, ou également regarder les vidéos qui sont disponibles en local sur mon téléphone, ou sur le cloud d'Orange. La qualité devient progressivement de plus en plus nette. Donc c'est un match de l'Euro. Espagne-Turquie, beIN Sport 2. Je fais un petit zoom. Vous voyez, c'est assez net. Et donc, tout le pilotage se fait depuis mon téléphone. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires si tu as une question sur la clé TV d'Orange. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Allez, pour terminer cette vidéo en beauté, on va faire un petit pic dans l'eau de la piscine.